Monsieur Bénion, moi, content aujourd'hui encore pour nous capables ensemble et dans un but bien précis, dans un but bien déterminé, dans un but pour nous capables partager ensemble la parole de Dieu. Donc, si vous venez pour la première fois sur le channel, ça, moi, c'est amis, moi, c'est frères, adorateur Bertin d'Orvillemar. Et sur le channel, ça, nous partager ensemble la parole de Dieu, nous partager des musiques, donc nous là pour nous capables de faire tout ça sous channel ça. Donc si vous pouvez abonner avec channel là, moi invité vous capable de faire ça et comme ça vous capable toujours au courant de toute dernière vidéo qui partagez sous chaîne ça. Je dis à moi je voulais encourager un monde, moi je voulais booster un monde qui sentit que la vie apparaît noire pour lui, que la vie apparaît difficile pour lui. Et peut-être un monde qui même a pensé, qui a des pensées négatives, qui peut-être même d'avoir fait tête li mal, qui a des pensées négatives, qui a troublé li face avec circonstances difficiles, face avec des moments noirs qui a privé sur la vie. Donc moi vini jodi a pour encourager et nous voulons lire ensemble une parole, un verset que nous joignons dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. Mais sa parole, bon Dieu, a dit nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ma propre texte là pour vous, est extrêmement important. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, je ne t'ai dit tout à l'heure, nous, là, je dis pour nous encourager un monde qui sentit la vie apparaître noire, qui sentit la vie à presque pas de sens pour lui. Il y a un monde qui sentit que tout ça ne rien pas marché, tout ça essayé pas réussi et qui vraiment inquiet. Il y a un monde qui a inquiété face avec avenir li, avec peut-être ça l'a bien pour lier demain, ça l'a bien pour le réaliser demain, ça l'a bien pour le concrétiser demain. Donc nous venons avec parole ça, qui c'est la parole de Dieu, une parole qui est certaine et véritable, qui dit nous nous pas doit inquiéter nous pour rien. Nous pas de inquiéter nous pour rien. Ça est extrêmement important. Peut-être que bagaille est capable de paraître un peu futile, un peu simple, un peu banal. Donc nous avons senti que ça pas un bagaille que nous devons trop inquiéter pour lui. Mais il y a des bagailles qui tellement paraît important, des bagailles que aux yeux de nous-mêmes qui paraît tant qu'il y a un bagaille qui tant que c'est une montagne qui pas capable de déplacer. Donc, nous ne parlons pas côté pour nous passer, nous ne parlons pas en haut, nous ne parlons pas en bas. Donc, nous jugeons bon nécessaire que nous avons de quoi pour nous inquiéter. Nous. Mais la Bible dit nous ne pas inquiéter nous pour rien. Que le te paraît gros, nous pas besoin d'inquiéter pour lui. Que le te paraît petit, nous pas besoin d'inquiéter pour lui. Même bon Dieu qui a réglé les petites choses, c'est ce même Dieu qui a réglé de grandes choses dans la vie. Nous. Donc, s'il mande pour nous pas inquiéter nous pour rien, mais les gens bagailles, ils mandent nous pour nous faire. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, pas inquiétez vous, mais les gens bagailles ont besoin de faire. Ont besoin de faire connaître besoin à Dieu. Est-ce que moi-même avec vous, nous réellement fait bon Dieu connaître besoin nous yo? Certaines fois, moi avec vous, nous allons à la prière, nous raconter des choses à Dieu, nous dire de bagailles, nous multiplier de paroles devant bon Dieu. Mais en réalité, nous pas fait qu'on ait exactement besoin nous à Dieu. Nous pas fait qu'on ait besoin nous à Dieu avec précision. C'est même genre, il y a toujours une histoire ça. Il y a un monde qui a le côté, il y a un monde qui a demandé le prêter un cheval. Il est arrivé, il a demandé à prêter cheval là. Les jeunes mon nan commencé ba mon nan des histoires, ils commencent à demander mon nan comment ti mon yo yé, la demander comment journée hier a été, les chita mon nan la ba mon nan des histoires qui pa gen aucun rapport avec
raison précise que li rend visite à moun nan. Et pendant la ben moun nan des histoires, yon l'autre moun qui te besoin cheval la prêté, li anik vini, li dit moun nan, bon 2 minutes s'il vous plaît, me font ti parler avec ou li passe pas derrière avec moun nan. Donc li seulement dit moi te vinn mande ou prêté cheval ou s'il vous plaît. Et puis li tout bay zanmi an cheval la. Alors que premier zanmi qui était là depuis bien des temps, qui était venu pour cheval là, qui très certainement t'a joindre cheval là, mais il pas vraiment venu pour te adresser, pour te demander cheval là, t'a raconté des histoires futiles. Donc en ce sens, li aller sans pas joindre cheval là, alors que y a l'autre qui venu après rivé joindre cheval là. Ça ne veut pas dire que bon Dieu n'a pas une bénédiction la caille pour tout le monde, bon Dieu n'a pas une réponse la caille pour tout le monde. Mais c'est un cas de figure pour montrer que nous devons faire qu'on ait exactement besoin nous à Dieu. Nous devons faire qu'on ait exactement besoin nous à Dieu. Nous n'avons pas besoin de passer par 4 chemins. D'ailleurs, bon Dieu, il est en connaît, désire cœur nous. Donc faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Pour faire qu'on a besoin à Dieu, il faut que son monde qui prie. Il faut que son monde qui dans la prière. Il faut que son monde qui dans la prière. Est-ce qu'on prend du temps pour prier? Les besoins, yo, veulent charger tout qui sont fait. Est-ce qu'on juste les amis ou partager, etc. Ou bien est-ce que pour rentrer dans la chambre ou prendre un genou pour la prière? Je dis à moi, je voulais encourager. Moi, je voulais dire, suspend ba tête au problème. Suspend inquiéter, suspend tracasser. Mais c'est le moment plus que jamais pour faire connaître besoin à Dieu par des prières. On nous prie ensemble. Seigneur, nous disons merci pour tant ça. Merci pour ce que vous motivez nous pour nous suspendre ba tête nos problèmes. C'est vrai, nous vivons dans une société côté que bagay yo capable paraître compliqué. Nous vivons dans un monde côté que bagaille paraît à l'envers. Mais on dit nous, pour ne pas inquiéter nous pour rien. Mais nous devons faire qu'on ait besoin nous à nous-mêmes dans la prière. Seigneur, aidez chaque monde qui t'a regardé la vidéo, ça, capable vraiment prendre décision pour suspendre inquiéter, pour suspendre la tension sur place dans la vie. Mais pour que vous capable de faire qu'on ait besoin à nous-mêmes dans la prière. Ces prières nous adressées à vous-même. Au nom de Jésus. Amen. Merci parce que vous prenez du temps pour regarder la vidéo. Et si vous pouvez abonner à la chaîne, faites ça. Et n'oubliez pas partager la vidéo avec un autre. Ça va encourager, ça va motiver, ça va fortifier. C'était Zanmi, mon frère, adorateur Bertin, dans Villemar. Au revoir.